Est-ce qu'il est possible de rester tranquille sans que les pensées viennent t'assaillir? C'est la question existentielle. Parce que, en fait, depuis le début des temps, le danger pour l'homme, c'est lui-même. La pensée que nous véhiculons, avec laquelle on se raconte des histoires sur la vie que l'on aimerait. En fait, on se perd parce que la pensée veut trouver une solution à ton problème, mais en fait, la pensée crée en même temps le problème. Donc, c'est pas avec la pensée que tu vas t'en sortir. C'est pas avec tout ce que tu connais. C'est sûr. C'est avec quelque chose qui se passe au-delà de toutes ces pensées que tu as. Il s'agit ici de savoir si tu peux vivre en dehors de ce que le passé propose. Le passé étant tout ce que tu sais, toutes les conclusions que tu as. Et tout ça, ça se réitère comme des pensées, c'est des mémoires qui se réitèrent. Alors, est-ce que ton esprit peut être libre de cette activité, l'activité du passé? Et en fait, parce que tout ce que tu es dans ce monde est cette activité qui se joue tout le temps, et toute cette activité t'embrouille l'esprit. Penses que tu pourras trouver une solution à ton manque de joie, à ton manque d'amour. Et donc tu vas trouver dans ce que le passé propose, c'est-à-dire tes pensées, ou tout ce que le monde propose, puisque le monde est le passé aussi. C'est la restitution de ce que nous avons vécu, les expériences que nous avons. Tout ça, c'est le monde. Et le monde est à l'extérieur de toi, mais aussi bien à l'intérieur de toi, puisque tu as hérité tout ça de la race humaine avant toi, qui t'a dicté comment tu devrais réagir aux événements. Donc, tout ce que nous avons pour nous en sortir, c'est nos pensées. Le passé que nous avons acquis, les références que nous avons, les expériences que nous avons. Mais tu vois, avec toutes ces expériences, tu répètes encore tout ce que tu connais. Et tu penses que c'est nouveau, parce que, en fait, tu es illusionné par le gain de quelque chose. Il y a dans tout ça un leurre qui te fait croire qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce qui a été déjà ruminé. Pourtant, tu peux regarder le monde entier depuis des millénaires, rien n'a changé. Et nous avons utilisé cet outil pour pouvoir sortir de notre manque de joie, manque d'amour, manque d'unité. Au contraire, c'est nos pensées qui en sont coupables. Et en fait, comme tu t'es identifié à ton passé, ce qui sont tes pensées, alors tu es toi-même l'ennemi de ce que la vie propose. Et la vie n'est pas ce que la pensée propose. La vie, c'est quelque chose qui est vivant, qui se meut d'instant en instant, et qui n'a rien de vieux, qui n'a rien du passé ni du futur. Elle est libre de tout ce que le temps peut proposer. Et on entend bien que ce temps qui est proposé, ce sont nos pensées. Le temps, c'est la même chose que la pensée, puisque la pensée régit le temps, et le temps régit la pensée. Nous sommes dans un cercle vicieux, où nous faisons exister
ce que nous aimerions avoir. Et ce que nous aimerions avoir crée justement en face de toi un espace où il faudra courir pour avoir ce que tu veux. Tu as un désir, tu le concrétises dans ton espoir, et puis tu cours derrière pour pouvoir l'attraper. Et tu deviens dépendant de ce que tu aimerais avoir. Donc la vie que tu voudrais avoir, en fait, c'est l'illusion de toutes les pensées que tu te proposes d'atteindre. Parce que le désir vient de ce que l'on connaît. On connaît que ça, c'est bon pour moi, donc je veux l'avoir. Et tous ces désirs sont concoctés dans le temps, par nous, les hommes. Nous faisons nos désirs, nous fabriquons les désirs et nous poursuivons les désirs. Nous améliorons, en fait, le passé. Nous innovons une meilleure façon de voir les choses. Mais, en fait, les choses, elles sont toujours pareilles puisqu'elles viennent d'un esprit qui a accumulé le passé et à restituer le passé dans le présent et l'envoyer dans l'espoir pour pouvoir faire en sorte que nous ayons une meilleure vie. Toujours quelque chose de meilleur et voulu. Nous ne savons pas vivre avec ce qu'il y a là, maintenant. Et pourtant, ce qu'il y a là, quand les pensées ne t'enrôlent pas, pour pouvoir courir derrière toutes ces choses que nous désirons, alors il y a juste les faits. Tu es en face de la réalité. Et la réalité, c'est que il n'y a rien de tout ce que les pensées peuvent proposer. Donc, toute notre vie, nous avons ces pensées. Et ces pensées nous dictent comment la vie devrait être, comment se comporter, comment tu devrais réussir. Et en fait, on se donne une existence qui est, si tu veux, quelque chose que l'on poursuit toute une vie. Et en fait, on réalise qu'il n'y a pas de solution. On est toujours dans le pétrin de la vie qui se répète tout le temps, sans amour, sans gaieté, sans joie, parce que nous avons gagné seulement du plaisir. C'est le plaisir qu'on gagne. Mais la paix d'esprit n'est pas là. La paix, elle viendra que si tu cesses de ruminer toutes ces choses, toutes ces solutions que tu aimerais trouver pour pouvoir sortir de ce carcan dans lequel l'esprit s'est proposé d'être. La course infernale à la réussite. C'est ce qu'on se propose. Parce que on pense que là-dedans, il y a un but, une solution. Alors, est-ce qu'on peut rester tranquille sans que toutes ces choses puissent animer l'esprit? Parce que si tu laisses ces choses sans que tu joues avec, sans que tu réagis avec tout ce qui est proposé, alors ton esprit sera calme. Là, il y aura la paix. La paix d'esprit, ça veut dire que tu ne réagis plus à ce que la pensée propose. Tu ne réagis plus à ce que demain sera ou hier. Tu ne réagis plus. Tu es là, avec ce qui se passe, avec ce qu'il y a, pas avec ce que tu aimerais. Et celui qui arrive à voir ses pensées, à les observer, pour voir combien futiles et illusoires elles sont, alors tout de suite, la pensée n'a plus d'importance. C'est quand on est accaparé par ces pensées qu'elles prennent de l'importance, parce qu'on leur donne de l'importance. On s'identifie à elles et on voudrait avoir le gain qu'elles proposent. Ce qu'il faudrait atteindre,
un mieux-être que l'on aimerait avoir. Et on est tout le temps dans cette activité pour avoir mieux. Demain, ce sera mieux. Je fais ça, ça et ça aujourd'hui et demain, en espérant que ça ira mieux. Donc nous passons notre temps à écouter nos pensées. Et nos pensées nous emmènent droit au mur. Parce que, en fait, on ne trouvera rien d'autre que le désir qu'on a. C'est tout. Il n'y aura pas de réalité. La réalité, elle est là, maintenant, dans ce que tu vis là. Et ce que tu vis là, il y a tes pensées qui t'empêchent de vivre. Tes pensées te subjuguent. Tes pensées te font distraire. Parce que, en fait, il y a une zone de silence où tu es calme, tu es au repos, mais la pensée vient et elle dérange cette zone de silence. Et en fait, à ce moment-là, ton esprit réagit à toutes ces pensées. Donc il n'y a plus ce silence. Le silence, ça veut dire tout simplement que tu ne réagis pas à ce qui est proposé. Tu restes zen, en paix, sans être accaparé, sans être enrôlé dans une action qui va faire en sorte que tu seras mieux. Tu pourras atteindre un but, que tu vas réussir. Tout ça, c'est la proposition que l'on se fait à soi-même. Donc, toutes les pensées que l'on a, elles sont, en fait, la division que l'on connaît. Parce que les pensées divisent. Elles divisent entre ce que tu es et ce que tu aimerais. Entre ce qui se passe et ce que tu aimerais qu'il se passe. Donc, la pensée ne connaît pas les faits. Elle ne veut pas entendre parler des faits. La pensée restitue les faits en la mettant au goût de ce que le passé a fait. Donc les faits du passé est interprétés comme étant quelque chose qui fut. Toujours la pensée fait ça. La pensée n'est pas un fait. La pensée, c'est juste une mémoire. Donc il faut que tu réalises pour que tu puisses te dégager de cet encombrement, cette activité qui est machinale, compulsive et qui t'embarque inconsciemment. Tu es embarqué. L'esprit n'est pas présent à ce moment-là. Il y a juste la présence de la pensée, le programme qui fait ces choses toute seule, parce que c'est une machine. Mais cette machine qui sont tes pensées, justement, c'est à toi de voir comment elles sont faites. Et en faisant ça, tu apprends à amener toute la vie que tu as à bon port, avec intelligence, sans que ce soit une machine qui est vouée à elle-même. Donc il faut que tu vois ce qui se passe. Et pour voir ça, si tu veux bien sûr, parce que le problème c'est que dans la vie aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est nous le faisons systématiquement. Nous n'y pensons plus. Donc il est nécessaire de regarder les choses et de voir où sont nos problèmes. Et quand tu réalises que le problème c'est toi-même, ça devient compliqué puisque tu t'es identifié avec ce que tu penses être la solution. Et la solution c'est le problème.
Donc il faut sortir de cet engrenage pour pouvoir capter comment ça se joue et ne plus être tributaire de ça, ne plus être dépendant de ce que tu te proposes à toi-même. Ça veut dire que tu es libre du passé, libre de tout ce qui fut, libre de tes conclusions. Tu n'as plus de conclusions. Parce que ces conclusions, justement, sont les schémas de pensée qui se répètent. Et là, quand tu ne répètes plus, alors l'esprit n'est pas encombré d'idéal, d'idées, de choses qui devraient y avoir. L'esprit est avec les faits. Dans les faits, il n'y a pas tout ce qu'on se raconte. Ce qu'on se raconte, c'est juste le passé qui se réitère et qui nous fait croire que c'est vrai, que nous avons là une solution. Mais cette solution n'est pas une réalité, c'est un leurre. Et comme on aime bien se réconforter, alors on écoute ces pensées qui nous réconfortent. Ils nous disent, ah, si tu fais ça, ça et ça, tu seras heureux. Donc on a entendu toute notre vie, on a entendu ça. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle vie, une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Donc on est friand de tout ce que on se projette à soi-même pour pouvoir atteindre. Et alors que tout ce que tu fais là, ce n'est ni plus ni moins que de la projection. Tu cours après, tu deviens dépendant de ce que tu as désiré, et en fait, tu te retrouves en train de tourner en rond dans la déception. Tu seras toujours déçu. Tu ne seras pas libéré de cette envie, de ces pensées qui te subjuguent, qui t'enrôlent, qui te dictent comment la vie devrait être. Tu es soumis au passé. Et là, on est en train de dire ce que tu es n'est pas le passé. Ce que tu es, quand tu as abandonné toute cette activité mentale, tu es face à toi-même. Et là, il n'y a plus rien à atteindre. Tu es en face de toi. Tu as la réalité, c'est là. Il n'y a rien à chercher. Et quand tu acceptes qu'il n'y a rien à chercher, ça veut dire que l'esprit, tout d'un coup, il est libre. Et dans cette liberté, il y a la joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire. Tu n'as plus besoin de rien faire pour être joyeux. Ce que tu es à ce moment-là, c'est une liberté. Un amour, une paix qui est là. Et il n'y a nulle part où aller. Il n'y a que là où être. Alors que nous, on croit qu'il y a un endroit, un but à atteindre. Il n'y a pas de but. Parce que tout est là. Quand l'esprit cesse de quémander une solution à son problème, le problème qu'il a de son manque d'amour, de son manque de joie. C'est seulement quand tout ça est abandonné que la joie est là. La joie d'être présent. La joie d'être vrai. La joie de ne plus avoir à se mentir à soi-même. Et quand tu ne te mens pas à toi-même, tu as l'esprit clair. La perception, elle est immense, elle est étendue, parce qu'il n'y a plus le mensonge qui obscure, qui voile le champ de perception. Donc, cet ennemi qui est nous-mêmes,
Il doit être débusqué à chaque instant de nos vies. Et ne pas se laisser avoir. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention pour pouvoir sortir de ce labyrinthe de la pensée qui t'embarque et qui te fait courir partout pour trouver une solution. La solution, c'est de ne plus courir et d'être là et savoir que tu es tout le reste, tu t'élèveras et tu verras quand tu t'élèveras, tu es la solution toi-même. Ce ne sont pas tes pensées qui vont t'y conduire. La solution, c'est toi, puisque tu vas t'élever au-dessus de toute la cohue. Et c'est alors que tu verras que la vie, c'est quelque chose qui est joué, mais toi, tu n'es pas celui qui joue la vie. Ce sont tes pensées, ce sont toute une mécanique qui s'est installée et qui produit un monde de bien, un monde de mal, un monde où tout le monde se bagarre pour pouvoir trouver un échappatoire entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais toi, ce que tu es, n'as pas besoin de ce qui est bien ni pas bien pour être ce que tu es. Ce que tu es est au-delà de tout ça. Au-delà